Salut, vous êtes avec Seth Franqueur pour Daily Rock Québec. Ce soir, on est au lancement de Indecent au Pub au Canada. Fuck around in the pussy! Vous allez en avoir plein la face, plein les dents, plein les oreilles. Ça va être malade, restez avec nous autres, ça va être une petite soirée. We're living dreams on the brink of disaster. Thinking our God on the precipice of hell. We make what we get up of what we fail. Yes sir, c'est Hangover pour Daily Rock Québec. On est avec Indecent, ils viennent de finir leur show de lancement d'album ici au Pub O'Callaghan à Sorel-Tracy. Man, sérieusement les boys là, je vous l'ai pas dit, même pas hors d'onde pis tout là. Ça fait 4 ans que je book des shows ici. C'est le show le plus pesant que j'ai vu en 4 ans, man. Congrats to that. Pour vrai là, donnez-vous une main d'applaudissement, man. Ou un fist. Fist fuck. Genre n'importe quoi. Oh, fist fuck. Les bons fists. Nice. Puis comment vous avez aimé le show? Vous avez invité les bands, c'était le premier show aussi de Weathered Life, de l'autre band, je me souviens plus, Faithful Synthesis? Hey man, je l'ai eu du premier coup. Popé! Comment vous avez aimé ça? C'était quoi le show? Comment vous avez trippé? Pour vrai, c'était super nice, pour vrai, il y avait comme pas mal de monde, puis les bands en plus, c'est comme nos bons chums, fait qu'on a bien du fun de jouer avec eux autres à toutes les fois. Les shows, ils ont bien été, puis c'était vraiment épique, il y avait plein de monde, puis... Écoute, c'était malade. On est vraiment contents pour ça. Là. Sérieux, pour un premier show Weathered Life, ça m'a vraiment impressionné. Puis Faithful Synthesis, un assez bon band, tout le temps, c'est tight. De A à Z, c'est incroyable comment que ces gars-là, ils bûchent. Là. Tu sais, après eux autres, j'avais l'impression genre d'être un band pop-punk. Tu sais, tu comprends, là, genre, j'avais l'impression d'être genre Britney Spears dans ses débuts. Ben, on n'a rien à dire de plus là-dessus. Ça a résumé, hein? C'est bon. Sinon, parlez-moi de votre album, là. Ça a été enregistré, là. On a eu la première entrevue. Gardier secret, pis tout. C'est genre, comment votre album? On n'en parle pas, on évite le sujet. Là, l'album est recordé, il est printé, c'était le lancement en soir. Parlez-moi de l'album, là. Ben, dans le fond, l'album, on l'a enregistré avec Max Lacroix. Ça, guitariste de Blind Witness, ça a vraiment bien été. Puis pour ce qui est de faire l'album, on a décidé de le faire physique, puis on l'a fait tout par nous-mêmes, on l'a fait imprimer, après on a le plié, on a fait les CD et tout. Fait ouais, on est vraiment contents du résultat, puis finalement on a un beau produit à offrir au monde, puis je pense qu'ils vont l'écouter avec plaisir, puis je pense qu'on est quand même tous fiers de ce qu'on a accompli en ce moment avec le EP, puis non, je pense qu'on est bien contents. Ça a du swag. Vous pouvez avoir du swag, ça a du swag. Fucking Randy Pussy. J'avais le goût de le faire sérieusement. Là.
Non, sérieux, je suis vraiment content de notre soirée, de notre lancement, de toute l'organisation. On a super bien organisé ça. Le EP, écoute, on a fait vraiment une super de belle job. Nous-mêmes, en plus, c'est ça qui est encore plus fou, là, je considère. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que je pensais avoir, en fait, en créant l'événement ce soir. Puis, je peux pas être plus que satisfait. Sérieusement, là. Top check. Yes, sir. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient, là? Vous gardiez encore les secrets sur les tournées, les ci, les ça, qu'est-ce qui s'en venait? Là, ça a été dans le concret. J'ai reçu des invitations Facebook pour des shows à Lanty, à Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qui se passe? Vous en allez où, là? Ça se concrétise? C'est quoi vos plans, là? Le booker. Le gars qui s'occupe du booking. Présent. En fait, on avait le show ce soir. On rejoue le 6 février à Berthierville, au complexe de la Grosse Bertha. Je trouve ça vraiment... Ouais! Je trouve ça vraiment drôle, la Grosse Bertha. J'ai trippé quand ils m'ont invité là-bas. C'était incroyable. Mais, le 6 février. Après ça, le 28 février à Montréal, au Piranha Bar, avec Sacrament, un hommage à Lamb of God. Puis plusieurs bandes locales aussi de Montréal qui vont jouer. On co-headline, en fait, le show au Piranha Bar. Ensuite, on a le show à Lanty. Le 7 mars, en fait, aussi. Ouais. Écoute, le line-up n'est pas extrêmement officiel encore. Fait que, genre, je m'avancerai pas là-dessus, là, mais il y a un flyer de sortie, sûr. Là. On commence à sortir pour vrai. Ouais, on commence à se promener pas mal, en fait. C'est vraiment, même. J'attends des nouvelles pour peut-être booker Sherbrooke dans le coin du mois d'avril. Éventuellement, j'en parlerai pas trop, mais peut-être une petite. Peut-être une petite tournée cet été qui s'organise tranquillement, pas vite. Pour l'instant, c'est ce que je peux annoncer. Pour le reste du booking, n'est pas officiel. Fait que on va revenir avec ça. Juste à nous suivre sur Facebook, évidemment. Pardon? Est-ce qu'on peut suivre les sites internet? Ah, ben là, tu vois, moi, je book, puis le gars qui s'occupe de ça, c'est lui. Dans le fond, vous pouvez nous suivre sur Facebook/IndecentBand, sur Instagram/IndecentBand, sur SoundCloud/IndecentBand, puis sur Bandpage/Indecent. Fait qu'allez checker ça, puis allez checker nos singles, allez genre partager, genre passer le mot, faites n'importe quoi. Dans le fond, ça nous aiderait, puis ça donnerait un bon coup de pied pour vrai, puis ça nous aiderait en masse. Ce serait vraiment. Ouais, exactement, il y a un impact, là. That's it. Ouais, c'est ça, là. C'est pas mal ça, là. Allez voir ça pour vrai. Cool. Ben, hey, merci les boys. Sérieusement, c'était fou, là. C'est un de mes. En 4 ans, là, c'est un de mon top 3 des shows, là. Félicitations, genre. C'était vraiment pesant, c'était nice. J'ai l'impression, c'est que Phil a gardé du jus pour vous autres, là. Pour vrai, Phil, il a totalement choqué les autres bands, puis à un moment donné, il a fait comme. OK, là, on met le vrai jus, genre. Vous êtes rentrés, puis c'était complètement malade. On va vous revoir. Allez voir sur Facebook. Ces boys-là, ils vont se promener, là. Laisse faire les autres, là. C'est pas fini, ça commence. Allez voir, ça va être pesant, ça va être beau. On a une question? Le 11 avril, ça se passe où? Vas-y. 11 avril, ici encore? Ici encore, pas trop proche. 11 avril, on joue ici. J'ai Dead Elegance de Montréal qui a confirmé. J'attends des nouvelles de peut-être Withering de Sherbrooke. Un petit line-up de 3 bands encore. Même ambiance, même genre de monde. Ça va péter comme un soir. C'est sûr et certain. Anyway, tout ça, les dates vont se rajouter, ça va pas arrêter. Ça continue, ils vont encore booker des bands. Je suis en contact avec Simon, ça va se passer. Allez voir les pages Hangover Productions sur Daily Rock. On va faire leur promo. On va vous informer. Indecent, ça va se passer, ça va être là. Ça va être live. Puis vous allez venir voir ça. Ça va être partout au Québec, ça va être malade. Merci les boys. Merci à toi, man. OK. Yeah! D-Unit! Oh yeah. Fuck yeah! On fait tout encore. Oh! Go Power Rangers!